Eh bien salut, bonsoir Macho Boys et Sexy Girls et bienvenue dans notre cinquième partie sur Resident Evil Revelations 2 épisode 3. Et maintenant nous pouvons utiliser ceci je pense. Et voilà. Oh oh, je sais pas ce que ça fait mais bon. Bon ok, ce truc est... Ah ça ne marche pas encore. Ah ben, ok. Donc on dirait bien qu'il faut faire autre chose hein. Ah ok, il y a d'autres fils, c'est bon. Alors ma petite Moira... non, c'est pas ma petite Moira, désolé, j'étais trompé pour ma fille. Ma petite Natalia, tu vas aller là-dedans et tu vas activer ceci. Là, ça devrait marcher, hein? Oh, ok, ok! Faut le faire en même temps, je pense. Mais pas en même temps, mais... assez rapidement, là, comme ça. Ah, ben voilà! Ok, c'est moi qui étais débile. Oh, vite! Dépêche-toi! Dépêche-toi! Moi, je change de personnage. Je vais pas utiliser une fille sans défense. Non, 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 non. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? J'espère qu'elle est là, hein? Bon, ok, c'est bon. Ok, on va aller là. Mais je suis sûr que la petite fille voit des petites choses ici. Ah, attends. J'ai comme vu que je pouvais appuyer sur... Il y avait un ennemi, là. Juste à côté. Ah, il se retrouve de... à l'intérieur du bâtiment, en fait. Bon, ben, on dirait bien qu'on va ouvrir cette... Ah! Come on! Je peux jamais rien faire! Ok, c'est bon. On y va, on s'en va. On va aller ici. Je sais que je suis déjà venu ici auparavant. Mais puisqu'on m'a ouvert la porte, on dirait bien que je dois passer par là et faire quelque chose. Ah, peut-être que... Ok! Attends. Faut que j'amène la petite boîte, ben le cube, ici. Et ensuite, il faut que je fasse des trucs avec. Je ne sais pas pourquoi, mais bon. Allez, on y va! Puisque la porte, la clôture, whatever, ben la fente est levée. On peut très bien prendre ceci et l'amener quelque part d'autre, n'est-ce pas? Ne t'en fais pas, mon petit bébé, c'est moi qui va monter tout d'abord, ok? T'as pas besoin de t'inquiéter. C'est moi qui va aller tuer le petit bonhomme qui se retrouve là-dedans. Et ensuite, tu pourras venir me voir. Parce que je sais qu'il y a un méchant. Oh, le voici, le voici. Ok, on va prendre ceci. Ah! Oui, son point faible! Ok, il est là. Yeah! Bon, c'est fait. Alors maintenant, nous pouvons ouvrir la porte et aller... Hey, what? Je t'ai dit de m'attendre là-bas! Mais voyons donc, pourquoi t'es venu tout de suite? T'es stupide! Oh, je voulais pas te mettre en danger. Eh bon, c'est correct. Elle est déjà venue, alors on peut rien faire, n'est-ce pas? Alors, on va prendre ceci, monter les escaliers, le foutre dans le tapis roulant. Et de cette façon, il va faire vroom 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 et il va faire vroom 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 vroom. Ouais, en gros, c'est ça. C'est un peu long là parce que c'est lourd. Je suis sûr que même vous ne seriez pas capable de lever ceci. À moins que vous faites de... vous faisiez de la muscu là ou quelque chose comme ça. Mais bon, pour les... tous les petits maigrichons comme moi là, bon, on sera jamais capable de soulever ce truc. Alors on n'a pas à se plaindre, hein. Ok, maintenant on va monter ici. J'espère que Natalia va venir là. Ok, c'est long, oui. Bon, 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 bon. Et ensuite, il faudrait que je l'amène ici que... Non, attends. Ouais, ouais, ok, il faut que je l'amène là-dedans. C'est bon, I got it, baby. Tombe sur moi! Oh, ok, ça me fait mal pour vrai. Je savais pas si ça allait me faire mal ou pas, mais on dirait bien que oui, c'est confirmé. Alors, maintenant, il faut que j'amène ça ici, et puis... Oh, ça va prendre du temps! Oh, putain! Ok, il va faire un gros manège. Allez, viens, papa! Oui, c'est ça. Oh, que t'es gentil! Bon, maintenant, il faut que je saute avec ça, là. Oh ben non, je peux tout simplement le lâcher. Et voilà, bon, au moins je suis pas obligé de sauter comme un con là. Je suis sûr que si j'avais sauté, je me serais fait péter la gueule comme un petit con. Genre c'est tellement lourd, ça va péter mes pattes. Si ça tombe sur mes pattes, bien sûr. Ok, là on va activer ceci. Et là, ah, ascenseur. Et boy, je sais... Wow, oh t'étais vivant. Wow, hey, tu m'as jamais dit que t'étais vivant, what the fuck. Oh! Ok, moi je croyais que ce bonhomme était mort. C'est que je suis con. Ah, Natalia, ok, elle est là. Bon, nous pouvons enfin utiliser l'ascenseur pour s'enfuir de là. Et je viens de remarquer que j'ai laissé des munitions derrière moi. C'est tellement chiant. J'en avais besoin, oui. Oh merde, pas maintenant, bordel. Oui, c'est toujours comme ça. Ne t'en fais pas, mon pote. C'est pas nouveau. Bon, 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 alors on dirait bien que je dois passer par là. Est-ce qu'il faut que je saute? Qu'est-ce qu'il faut? Ok, ben on va sauter là. Ah, ok, il fallait vraiment sauter. Non, quoi? Ici. On va avancer doucement pour pas se faire fourrer dans le cul.
J'ai pas envie de tomber. Nah, 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 nah. Oh non! Natalia, reste derrière! Reste derrière, ne viens pas ici! No shit, Sherlock! C'est pas ton père, ça! Oh, voyons! Non, 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 il est pas mort! Reviens derrière! Recule, Natalia! Tu m'empêches de m'enfuir! Oh, bon! Ok, est-ce que je vais là-bas ou bien... Je vais là-bas? Ben, je viens de là-bas, il me semble. Donc, ça sert à rien que je me dirige là-bas. À part pour prendre la petite boîte, hein? Ah, ah, what the fuck? Vas-y! Bravo, ma jeune fille. Bon, écoutez, il faut contrôler Natalia pour voir s'il y a des choses brillantes par terre. De cette façon, on pourra prendre des bijoux et s'acheter des petites merveilles. Oh! Non, ok, fusil de sniper, c'est pour lui, ça. Ok. Là, essaie de prendre ceci. What? Oh, t'es sérieux? No fucking way! Barry, il dit qu'il se fait péter le dos lorsqu'il prend ceci. Et toi, Natalia, t'es capable de... What the fuck? Ça doit être lourd en maudit. Oh, boy. Bon, ben, on dirait que c'est toi le boss, hein? C'est le boss de cet endroit. Come on. Natalia, est-ce que tu peux m'aider? Lance-lui des briques dessus. Je sais pas, moi, fais quelque chose. Non! Je voulais recharger mon arme, pas prendre l'item. Je sais pas si vous avez vu qu'est-ce qui s'est passé, mais j'ai pris le gros cube pour rien. Allez, bon, Natalia, là, sert à rien. Lance des briques sur ce mec-là, s'il te plaît. Ok? Fais ton travail, fais quelque chose. Oh, j'ai plus rien. Man! Oh, oh! Oh, non! Les snipers sont forts, hein? Comment? Oh! Tombe! Non, 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 non! Ne sois pas à quatre pattes, ne sois pas à quatre pattes, mon gars! Ok, on dirait bien que j'ai la mauvaise arme pour ça, hein? On va utiliser le piton. Voilà. Mais, faut que j'aille derrière lui. Je suis désolé, Natalia, mais t'es obligé de faire une job. Oh, oh, oh! D'appart. Écoute, tu dois attirer ce mec-là, comme ça je peux l'attaquer par derrière et faire quelque chose. Dégueulasse, oui. Wow! Oh! Non, dis-moi pas qu'il me one-shot! Oh, jolie clôture. Eh ben, ce bonhomme, on dirait bien qu'il ne va pas mourir de sitôt. Je sais pas qu'est-ce que je devrais faire pour l'attirer quelque part et ensuite l'attaquer par l'arrière. Il faudrait que j'envoie Natalia là-bas et ensuite je l'attaque de loin. Oh, ok. Peut-être que je suis pas obligé d'attaquer son ventre, hein? Ouais, c'est ça. Tout ce qu'il veut faire, c'est protéger son bébé. Alors, si je l'attaque sur la tête, il devrait tomber, hein? Oh, oh, non, non, non. Je vais pas me faire one-shot par ça. Oublie ça. Non. Non, 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 non. Recharge. Come on. C'est ça. Laisse-moi attaquer ton petit bébé. Écoute, faut pas que le monstre soit né, sinon il va faire plein de petits bébés. Et après, notre monde là sera foutu. Hey, je veux pas vivre dans un monde de monstres, là. Bah, ouh, je sais qu'il y a manqué son tour. Natalia, tu devrais courir un petit peu plus loin. On dirait qu'elle est figée. Ah ben oui, elle a été figée. Est-ce qu'elle est conne? Bon, voilà. Il est enfin mort. Ça l'a pris du temps. Oh, oh, oh. Oh, prends ça, c'est ça. Sans mes fesses. Oh, ouais, je sais que t'aimes ça. Ah, maintenant, oh, on va lire ceci. 8 février 2010. Nous avons dû nous occuper de nombreux corps aujourd'hui. Plus que d'habitude, c'était The Tephobos qui consomme beaucoup de sujets. Des sujets disponibles, pardon. Nous avons utilisé 30 corps en 3 jours seulement. Il ne reste plus qu'à continuer à les mettre dans des sacs et à les jeter dans la fosse. Eh ben, ok. Il est chien, hein? La personne qui a écrit ça a vraiment pas de cœur. Il parle des humains comme étant des corps. Il aurait pu dire, on a tué 30 personnes. On a enlevé 30 vies. Mais non, il parle de corps comme si c'était des objets disposables qui servaient à rien et tout, là. Je déteste ce bruit. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? On va prendre ceci avant de partir. Voilà. Y a-t-il des bijoux à terre, ma petite Natalia? Non, y a rien, papa. Y a juste cette brique, alors je vais la prendre. Ok, ben c'est bien. Je suis contente. Ok, on va descendre. Mais papa, je suis pas une petite fille, je peux descendre tout seul là, voyons donc, je suis déjà en primaire là. Ok. Et maintenant? Qu'est-ce qu'il faut continuer?
finira bien par coincer cette sorcière. Wow. Sorcière, t'exagères un peu là. Elle est méchante, oui, mais c'est pas une sorcière. Et puis, Natalia, la prochaine fois, ne fonce pas sur un bout de branche là. Sinon, tu vas te péter les jambes. Je le sais parce que ça m'est déjà arrivé. Ouais. Bon, bon. Il y a quelqu'un qui va se faire massacrer. What the fuck? Attends. Natalia est pas morte? Hé! Hey, elle est pas morte, mais la sorcière a peur d'elle. Et quoi? Hé! Hey, elle ressemble tellement à Gollum dans Les Seigneurs des Anneaux. Prochainement dans Révélation 2. Ma vie entière n'a été qu'un prélude à ce moment. Ma vraie naissance. Peu importe où elle est, on la retrouvera. Tu parles d'une sortie de secours? Bah... je pense qu'elle se cache là-dedans. Il est temps d'affronter la source de nos ennuis. Tu vas mourir, mon enfant. Cours, 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 cours! Vous devez affronter une dernière épreuve. Eh bien! Ah ben, avoir su que j'allais terminer cette partie en 13 minutes, j'allais l'intégrer dans l'autre vidéo. Métamorphose. Waouh! Ok, dernier épisode, c'est la prochaine fois. Non mais, je suis vraiment désolé que l'épisode ne soit pas long parce que, écoutez, je pensais vraiment que ça allait me prendre 40 à 50 minutes pour terminer cette partie. Mais on dirait bien que non! Ah, je suis vraiment désolé, je vous jure que je l'aurais intégré dans l'épisode passé, la quatrième partie de Resident Evil Revelations 2, mais... ah, c'est chiant, je savais pas. Bon, en tout cas, la prochaine fois, je vais me renseigner un petit peu plus. C'est bon. Alors, on va utiliser nos 4500 PB pour acheter... augmente la rapidité du couteau. Permet de résister aux coups mortels. Oh, ça a l'air bon. Ça a l'air bon, ouais. Ok. Augmente l'efficacité de la lame de Moira pour aveugler les ennemis, non? Augmente la force d'attaque de Natalia avec la brique. Hein, pourquoi pas? Désolé. Augmente la distance de la perception surnaturelle de Natalia. Ah, ça pourrait m'aider. Il me reste 2000, ok. Je vais prendre ça, whatever. Ok, les amis, ça va être tout pour l'instant. J'espère que vous avez apprécié cette cinquième et dernière partie sur Resident Evil Revelations 2, épisode 3. La prochaine fois, on va terminer ce jeu et puis on pourra voir quelle est la super fin. Tan. Donc, si vous avez aimé cette partie, vous pouvez partager cette vidéo sur Facebook, Twitter, laisser un petit pouce bleu qui pointe vers le ciel et surtout, vous abonner à cette chaîne pour savoir quand je sors la prochaine partie tout en vous joignant au gang de couilles.